bonjour à tous, on se retrouve sur Assassin's... Oh, des petits lions. Pauvre petit lionceau. Ils avaient rien fait. On peut laisser le... Ah ! Ah bah... Pourquoi il a tué ? Pourquoi il a tué un putain de corbac ? Mais non, il fallait pas. Bon ! Aïe ! Il y en a encore. C'est un repère à lion ici. Ah mais il y en a plusieurs même. Allez, bim. Ah, ça tue les deux d'un coup. Je savais pas qu'on pouvait multi-attaque. Mais c'est la fête aux animaux ici ou quoi là? Oh, on est pas au cirque, bordel. C'est le cirque de la bataille, le truc. Voilà. Donc, ça faisait quelques temps que j'avais pas lancé le jeu et on a... Il nous reste des quêtes annexes à faire quand même. Oh, il reste que 22h. On a l'épreuve de Sobek à faire que j'ai déjà fait. En fait, au début, elle était buggée. On pouvait pas la refaire tout de suite. Ils ont fixé ça, je crois. Bon, ça, j'ai un point d'aptitude. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'aimerais bien faire dompter les animaux. Ça pourrait être rigolo. Donc, du coup, on a l'épreuve de Sobek et la suite, comme on avait eu l'épreuve d'Anubis. Qui est du même style et qui permet d'obtenir un autre item que j'ai déjà obtenu parce que je l'ai fait une fois pour voir un petit peu comment c'était. Et bah on va la faire ensemble, je vais rien spoiler, de toute façon ça ressemble beaucoup à la première. Vous allez voir tout de suite, bon sauf que c'est un masque croco. Ah mitraillette. Bon donc il est pas content, toujours le même principe. Ah mais, ah oui merde. Alors, c'est un peu différent. Putain, j'ai plus de... Attendez, on va essayer de récupérer des flèches. Alors par contre, clairement, vous allez voir... je l'ai fait et j'étais très déçu de la difficulté. Le premier Anubis... Vous pouvez mettre des flèches, s'il vous plaît. Le premier Anubis, ça allait encore. Mais il y avait des petits passages qui étaient un petit peu chauds quand même, on va pas se mentir, notamment les esquives des quand les hyènes vous fonçaient dessus. Les flèches. Quand les hyènes vous fonçaient dessus, c'était un peu chaud. Là, il y en a ici. Pour les esquiver... bon après moi je l'ai fait level 38 la première fois. Donc les hyènes de la fin, en fait les animaux de toute façon quoi qu'il arrive sont plus difficiles que des ennemis standards. Parce qu'ils vous jump dessus, ils ont beaucoup de vitesse. Et on a du mal à vraiment esquiver, surtout quand il y en a plusieurs. Mais bon ça se faisait quand même. Mais il était un petit peu chaud. Mais alors celui là, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont foutu. Il pue la merde. Enfin, je sais pas qu'il va faire appel à des... Non pas encore. Il pue la merde, vous voyez déjà sur le pattern en fait. Bon, il y a ça là quand il lance ça qui ressemble très fortement à ce que faisait Anubis. Et en fait, son attaque principale c'est ça. Au lieu d'avoir des hyènes, c'est à des zones un peu partout. Mais c'est super simple les esquiver en fait. Elles apparaissent au sol et elles pop 2 secondes après. Donc c'est un peu dommage. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment loupés sur ce boss. C'est, on prend vraiment pas de dégâts et ça ressemble beaucoup. Bon, ils sont pas emmerdés, hein. Ça ressemble beaucoup au. Premier fight, il est plus long à faire parce qu'il prend moins de dégâts. Là je mets absolument toutes les flèches. Hein. Ouais, nesh nesh nesh. Le yo-yo, le motep. Donc vous voyez ça, voilà, c'est... Vous avez vu avant que ça sorte. Alors par contre j'ai absolument aucune idée des dégâts que ça fait parce que je m'en suis jamais pris en fait. Faudrait que je teste. Alors, on va avoir le fameux... On se positionne ici. Ah, on va... oh, là j'ai pas pu enchaîner les assassinats, mais c'est pas grave. Ah, j'ai pas pu enchaîner le G. Bon, ça arrive parfois, ça fait ça, c'est-à-dire que... je peux... Là j'ai pas pu enchaîner le G parce que je me suis fait interrompre. C'est des gardes avec des têtes de crocos. Ils font quelques dégâts, mais essayer d'esquiver. Voilà.
Rien d'extraordinaire, hein. Donc ça on l'a vu, ça ressemble un petit peu à la phase qu'on avait pareil hein, avec Anubis. C'est-à-dire qu'après tout le truc des hyènes et les zones, il se met à invoquer des ennemis. Ouais, vous voyez, encore une fois de plus, la zone. Et ça va jamais changer en fait, je spoil un petit peu, mais... Pourquoi je pense à moi? Je suis même pas pris. Ah! Mais il y en avait un, il a dit. Ah! En train de me dire, il a disparu. Pour jouer à BUBG, maintenant j'appuie sur Shift pour essayer de sprint. Bah, je me la prends même pas. Ah, ils ont mis trop de délai. Y'a rien à vraiment esquiver à part ça, mais c'est super simple parce que ça met beaucoup de temps à venir et c'est fixe. Ça nous suit pas en tant que cible en fait, y'a pas la mécanique d'esquive. C'est un peu dommage parce que j'avais beaucoup apprécié sur le fight avec Anubis et les hyènes qui vous couraient dessus, c'est que. Assassiner, c'est dommage. Mais on peut enchaîner les jets. Quelques dégâts. Après, faut pas perdre de vue. Ça, je suis obligé de me prendre. Ouah, ça c'est pas bon ça. Voilà. Alors ça c'est une variante, mais on prend même pas cher en fait. Faut pas oublier que j'ai quand même un meilleur stuff que contre Anubis, ça j'en suis conscient. Mais bon, je sais pas si ça change quelque chose. Donc dans les nouveaux... Là il y a une nouvelle phase, je sais pas si vous l'avez vu, c'est une très très grande zone qui est pas... Merde, je reste dedans. Qui est pas vraiment esquivable, il tire des flèches dessus en fait. Voilà. Et du coup, on a juste à bloquer. Voilà, et on bloque. Rien d'extraordinaire. Bouge trop là! Voilà, on a même le temps de se barrer en soi. J'ai des flèches là? Je l'ai dit, il est juste long. Long à faire. À court de munitions. En récupérer. Allez, allons récupérer des petites fléchettes. Oh non, c'est pas cool ça. Attends. Je suis en plein dedans. Oh, une phase supplémentaire là bientôt. Dommage qu'ils aient pas fait une petite variation quand même par rapport au premier quoi. Ok, là c'est parfait. Alors c'est lui par contre, là on en a un plus gros hein. C'est pour ça. Ah, j'ai pas pu enchaîner, ouais parce que j'étais obligé de mettre un coin. Lui faut absolument l'assassiner le gros parce qu'il est assez violent. Et en plus il déchire même ses potes quoi. Nous aide le frérot. Ouais. Je suis là-bas de l'hypothèque là. Juste qu'on voit pas bien les zones des fois. Arrête de bouger, je veux pas tirer des flèches là.
file des flèches dans le coin. Enfin, je crois qu'on avait là, mais non. Bientôt fini. On a pas besoin d'esquiver. On va récupérer des flèches là, tiens. On va se mettre bien sur les flèches. Voilà, il est mort. En plus, la fin, il crève tout seul, quoi. T'as rien à faire. Ah, j'ai pas pu récupérer ça. Et voilà, on a vaincu Sobek. Donc, vraiment pas incroyable ce boss, hein, clairement. Mais je pense que ça va râler. Ah, ça donne 1000 d'XP quand même. Ah putain, on peut vraiment farmer l'XP comme un porc comme ça. C'est chiant à faire ceci. Vraiment ultra, ultra simple. Et voyez, ouais, c'est la nouveauté. Maintenant, là, j'ai aucune quête disponible. Qu'est-ce que j'ai ? Ça, c'est tout le stuff que j'ai eu. Alors, qu'est-ce qu'il donnait comme stuff ? J'étais assez étonné parce que je pensais que le set d'Anubis complet, c'était du genre un arc, une épée, un bouclier, ce genre de choses. Et en fait, il donne le sceptre de Kass. Voilà. Inspiré du sceptre du dieu Anubis, mais dépourvu du pouvoir de résurrection. On chope de la santé quand on fait des coups critiques, on a un taux de critique augmenté, un multiplicateur de combo. 282 dégâts par seconde, il est sympa, mais bon, je suis à 404, quoi. Je préfère ma petite épée ou le petit combo de l'autre. Donc voilà un boss de fée. On va attendre le prochain, évidemment. Alors tous ces boss sont déjà passés à un moment où la vidéo sortira, parce que j'avais beaucoup d'avance. Mais on essaiera de faire les prochains aussi pour avoir le set complet, pour le petit challenge. Même si j'espère, comme je l'ai dit, que le prochain boss sera un peu plus hardcore. Donc pour finir l'épisode tranquillement aujourd'hui, je vais aller voir là, il y a un petit point d'interrogation, c'est un repère de croco ou quelque chose comme ça. Non, c'est juste un trésor. Voilà. Grand dieu Sobek, qui font un don au dieu croco. Ah bah il reste quelques petits points d'interrogation par là. Alors il me restait des quêtes à faire. Ouais, alors on va voir niveau 17, niveau 17. Vous savez quoi, on va aller noter ces deux là. On va les faire au fur et à mesure. L'idée c'est de finir quand même toutes les quêtes secondaires, pour lesquelles ça va être très très simple parce que on est à un niveau bien au-dessus. Et le truc c'est que si je les avais fait pendant le jeu, bah déjà ça aurait beaucoup rallongé l'histoire. Et en plus j'aurais level up trop. Je serais arrivé level 40 trop rapidement, je pense. L'Étopolis est un rêve qui a pris forme. Un nouveau foyer, l'œuvre de vos mains et de vos efforts. Ah, c'est... on est assailli, c'est, il parle encore de l'Étopolis. On a tué le croco... le... comment il s'appelait d'ailleurs? C'était le croco, le chacal. Il est ses plous. C'était pas la hyène, parce que c'était la seule nana. Arca est très bonne. Je ne remercierai jamais assez les dieux de nous l'avoir dit. J'entends souvent dire du bien de ma arête. Alors... ah, elle a perdu sa trompette. Bayek. C'était Sef et tout. Ils ont pris Arkouf. Je sais ce qu'ils vont lui faire. Le torturer avec des pinces brûlantes, peut-être lui arracher la langue, puis lui planter une dague incandescente dans le cœur. Les prisons de Fort Nikiyo. Attends. Ils m'ont cru morte, et ils m'ont jetée dans le puits. J'ai rampé parmi les cadavres, et j'ai rejoint le fleuve par un petit cours d'eau souterrain. Merci pour l'astuce. Mais on va y aller en frontal. Ça fait longtemps que... Licornus ! Longtemps que je l'avais pas vu, Licornus. À fond les manettes avec notre petit arc-en-ciel. Trouver et libérer à Fornicu, mais je crois que je l'ai fini le Fornicu en plus. Je l'ai forniqué.
Il existe une entrée souterraine à l'est du fort. Je crois qu'en plus j'étais passé par là. Hein. Ouais, c'est ce fort. Il était hardcore celui-là, beaucoup de monde. C'est nous. Si jamais on me voit ici. Eh, on fait pas ça, mon cheval. Je l'ai taunté, je l'ai regardé en dessous. Ah, l'assaut! Et d'ailleurs, quand on l'avait fait ce fort, il y avait un fil à caisse qui était là. Je me souviens. Je me souviens très très bien. T'aurais pas dû venir ici! Va vérifier le secteur. On va faire directement la mission. Et voilà! Je n'arrive pas à croire qu'un pauvre minable de Nejai ait pu tuer nos hommes! On dit qu'il a tué les archers que Sefetu avait laissés à Saïs. S'il n'y avait que ça, quand Sefetu l'attrapera, il lui brûlera les doigts et aussi les oreilles. On va aider les rebelles. Ils vont foutre le bordel. Ils vont faire ils vont foutre le dawa. Si on l'appelle le Brandon, c'est qu'il y a une bonne raison. Du calme, Arkouf. Je vais te faire sortir. Bayek, il faut que tu récupères la clé que Sefetu a autour du cou. Si on l'appelle le Brandon, c'est qu'il y a une bonne raison. Alors, nombre de gens qui adorent. Regardez tous les mecs! On va essayer de les enchaîner, c'est Sefetu qui a la clé. Ouais. On l'a localisé. Ah bah c'est lui qui l'avait. Pourquoi je dois confirmer la mort? Ah ouais d'accord, c'est lui qui l'avait. On a tué Sefetu, on savait même pas. Je laisse la quête la plus rapide du monde. Après il va falloir le faire sortir. Bah, le fort je l'avais déjà fait, j'aurais pas envie encore d'assassiner tout le monde, sachant qu'il y avait plus les capitaines de soirée, ni les majorettes. Tu as tué cette immonde crapule ? Allez. Allez ! Allez, on se casse ! Bien vite. J'apprécie que là la météo correspondait à la... Je sais pas si vous avez vu. Happy, veille sur moi. Papy, qu'est-ce que ton grand-père a fait à faire avec ça? Je vais demander des renforts. Vas-y, fonce, demander des renforts. Eh ben non. Tout, tout le monde comme ça s'est fait. Hey, gagne-moi un peu de temps. Je vais demander des renforts. Apportez. Non, tu demanderas pas des renforts. Enfin, ça fait du bien de pouvoir se venger sur ces soldats de merde. J'ai pas pu. Alerte ! Chargez ! Pourquoi ils sont tous à cheval là? Je crois que ça tire de derrière, je suis pas sûr. Puisse les dieux vous foudroyer, chien! Niaouu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 
On a l'avantage. Gagnez-moi un peu. Il faut partir. Ouais, vas-y, pars. Putain, les mecs relous en soirée, là. Ils sont partout. Ce qui est chiant, c'est que je les one-shot pas. Faudrait que je charge mon arme. Eh, mais par contre, quand la flamme est appelée, ils viennent à l'infini, quoi. D'où ils sortent tous? Bon, allez, on s'en va. On va suivre notre poteau. Ah bah, on doit lui parler. Okay. Non, non! Qu'est-ce qui se passe? Merci, mon ami. Apollodorus a eu raison de faire appel à toi. Tu fais honneur à ton insigne. Mais il est mort, Apollodorus. Si tu en as l'occasion... C'est le problème quand on fait pas les quêtes dans le bon ordre. Puisse Happy veiller sur toi jour et nuit et remplir sans cesse ta coupe de bière. Ah, il m'a parlé de bière. Bon, une mission menée grandement à son terme. Hypernus. On va aller faire la suivante, là. Assaïs. Une mission fait totalement à l'arrache. D'ailleurs, je vais à Saïs ou pas? Ouais. C'est pas les cibles que je voulais. C'est celle-là. Abus de pouvoir. Ah bah non, je vais pas du tout. C'est de l'autre côté. Je me disais bien qu'il fallait pas traverser le fleuve quand même. Le cheval il roule du cul. C'est le cheval Nicki Minaj. Alors, tu peux me dire à quoi tu joues ? Bien gros cul, hein, d'ailleurs. S'il te plaît. Ouais. Ces récoltes doivent être chargées pour partir avant la fin du jour. Cela représente bien plus qu'un instant, tu ne crois pas ? Je sais bien. C'est le travail de deux hommes, mais mon fils est putain, trop long. Putain, on est là à récolter du maïs. Que ton fils se repose. Je vais t'aider à couper ta récolte. Serge l'agriculteur. Trop jeune pour travailler au champ. Je le sais, mais je n'ai plus de quoi payer des journaliers. Les collecteurs d'impôts me prennent tout mon grain et menacent de brûler ma maison. Merci, mon ami. Je vais pouvoir payer les chiens de ces fétaux, au moins pour cette fois. Parle-moi de ces collecteurs d'impôts. Ils parcourent les routes autour de Saïs, mais ils ne s'en éloignent jamais beaucoup. Ces fétaux est un maître cupide. Il les oblige à prendre aux gens tout ce qu'ils ont. Je vais voir si je peux les trouver. Et les convaincre de se montrer moins voraces. Ouais, on va les buter, toi, quoi. Toi, travaille ta ferme. Et élève ton fils. Oui, Ned. Maintenant qu'il peut se reposer, je pense qu'il va retrouver des forces. Que les dieux t'accompagnent. Il pouvait pas, lui, bouger son cul et prendre les trois toutes petites bottes de paille, là ? De branlant. Encore un chômeur qui va au Bahamas, ça, hein ? Non, mais oh. Ouais, mitraillette. Oh, y'a la quête quotidienne là, celle-là elle est sympa à faire. On la validera après. Dégagez le passage! Qu'est-ce qui te prend? Derrière moi! Ensemble! 1500 d'XP pour ça. 1500 d'XP le plus rapide du monde. Ok, bah c'est cool, c'est réglé. Tu as eu des difficultés pour apporter ta récolte au marché? Ça, oui. Passer le camp Pyros, c'est une vraie plaie. Ces soldats sont pires que les voleurs. Alors, on va en profiter. On va vendre. L'Étopolis est un rêve qui a pris forme. Un nouveau foyer, l'œuvre de vos mains et de vos efforts. Ce n'est certes pas... Oh, j'ai le Léviathan. Mais la promesse d'un avenir radieux vous attend. L'éclat de l'Étopolis brille. Écraser vos ennemis. Sympa comme arme, ça. Vendu. Tellement de pognon. Très bien. Ouais. Ouais. C'est toujours un plaisir. Alors, ravitailler. Flèche, on est complet, cool. C'est ça que je voulais. Ah,
Bonjour. Améliorer. Est-ce qu'on n'aurait pas des petits trucs à améliorer? Vox Populi, hein, si, elle est pas mal, ça. Ah, celle qui met en feu aussi. Allez, bim. On fera Vox Populi un autre jour. Au revoir. Au revoir. Alors, allons voir la quête quotidienne du petit marchand de chameaux. Ces vieilles reliques ont parfois besoin d'une petite remise en état. Mais il me manque une chose ou deux. Ok, collecte d'ingrédients, qu'est-ce qu'il faut? 20 sur 20 de fer. Une tâche bien menée. Waouh! Récompense, non? Ok, en fait, à chaque fois, ça échange contre un truc. Le plus important, c'est les 1500 d'XP, en vrai, hein, c'est pas... Mais du coup, merci pour ton épée incurvée. C'est là qu'on peut acheter un graphique au coffre, ça vaut pas du tout le coup. Graphite, il m'en reste... Ah, j'en ai 19 de plus! Mais de toute façon, j'ai tout amélioré, hein. Il me semble que de toute façon on peut plus, absolument plus rien. Ah, j'ai deux points d'aptitude, trop cool, mais faut qu'on attende le troisième. J'ai gagné un point d'aptitude. Ouais, on peut absolument plus rien améliorer. J'ai une nouvelle tenue. Vêtements de russe. Nice. On peut le choper, mais... On a l'épée d'Ephesa, bon, qui reste moins bien. Parce qu'elle a une qualité un petit peu moins. De pas beaucoup, mais un tout petit peu moins bien. Et j'ai une nouvelle monture ou quoi? Apophis Air. Ok. Je ferai vers ma licorne, ça changera jamais. Bon, du coup, il nous reste un peu de temps là. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Deux missions. On va aller à Sao! Sao, Sao, Sao! On a deux missions juste à côté là. On est 23 mètres. Quelle est ta mission? Oh, honte à moi, Neb. Mon mari est le tanneur du coin. Il rapporte cette puanteur chez nous depuis son campement. Il est chez vous maintenant? À l'odeur? Oh oui, on pourrait le croire. Mais c'est encore pire quand il est là. Ne t'en fais pas, Nebet. Un travail nécessaire n'est pas toujours agréable. Ça, c'est vrai. Mon mari travaille très dur. Malheureusement, ça ne suffit pas à satisfaire à la demande. On dit que les Medjay n'ont pas leur pareil à la chasse. Si tu veux gagner un peu d'argent, n'hésite pas à aller le voir. Il sera ravi que tu lui viennes en aide. Je vais y réfléchir. Où peut-on le trouver? Il est parti à la chasse, au nord et à l'ouest de Saou. Il tannera des peaux. Alors, il est en train de tanner de la peau là. Il parvenait à se débarrasser de cette puanteur. Je vais pas vous faire peur. Allez, Licornus! Oh, des vaches! C'est vrai qu'on peut pas tuer les vaches. Ah si, je crois qu'on peut. Putain, la vache est plus résistante qu'un garde niveau de 40 quand même. Petit problème. Je l'ai mis deux coups chargés à fond. C'est un peu le bruit qu'ils font, non? Mais en version... C'est des oiseaux qui font ça, là. À chaque fois, j'ai l'impression que c'est des dresseurs de serpents. Il va se faire chasser par des méchants animaux. Oh, c'est une biche. J'ai cru voir une licorne. Non! Laisse tes gros ouls! Oh, c'était dur. Merci, voyageur. Il a perdu ses jambes dans le combat. Est-ce que les dieux aient la bonté de m'envoyer de l'aide? J'ai eu peur que cette bête veuille me dévorer histoire de se venger de mon métier. Qu'est-ce qui t'amène ici? C'est peut-être pas pour se venger, c'est peut-être pour se défendre. Ah ça, oui. J'ai trop de demandes et pas assez de peaux. Je suis prêt à te payer grassement pour les peaux dont j'ai besoin. Et bien sûr, pour les risques que tu prendras. Je t'écoute. Il me faut des oreilles de hyène, des œufs de crocodile et des crânes de vautour. À quoi te servent les crânes de vautour? Bien des prêtresses s'en servent pour agrémenter leur coiffure. Elles paient bien. Il faut qu'on chasse pour le tanneur. Alors, on a besoin. Bah, il y a un croco.
tire dans la tête, sérieusement. Eh, c'est pas profond ici, ça y est. J'espère que ça va me donner un œuf de crocodile. Arrête de dériver là, il dérive loin de moi. Nice. Tiens, mitraillette là. Il me faut des vautours. C'est chiant à trouver. Ouais, il le faut, désolé. Merde. Des hyènes et crânes de vautour, je suis sûr j'en avais en plus, mais j'ai dû tout revendre là récemment. Désolé pour ton bateau, frérot, j'ai dérapé. Ah, mitraillette! Team à mitraillette! Question c'est. Bah, de toute façon, crâne de vautour et hyène, on va se TP. Hein. Y a des vautours ici, parce que c'est un repère de vautours. Et il y a des hyènes dans le désert. On va se TP là. Puis on viendra à l'autre là-bas pour conclure cette mission. Mon cheval! C'est par là, oui! Attends, c'était une chèvre, j'ai cru que c'était une hyène. Désolé, la chèvre. Mais bon, là-bas, normalement, je suis sûr de trouver des vautours. J'espère. Et dans le désert, je suis plus ou moins sûr de trouver des hyènes. Ouais, il a l'air d'avoir des vautours. Oh, mais non, ils s'envolent! Ah, bah, ils sont rangés. Ok, c'est bon. On tue 4. Il faut juste qu'on trouve des hyènes dans le désert. On me dit pas qu'il va y avoir une tempête de. Je pense pas. Ok, il y en a juste là-bas. Ah, mais non, c'est des vautours! Tu te fous de ma gueule? Là-bas il y a de la thune, on s'en fout. Au pire, bon. Au pire! On va faire une petite descente là de la pyramide et on sait qu'il y a des hyènes en dessous. C'était le repère de la hyène justement. Le bois était si rare. Bah ouais, tu m'étonnes, dans l'Egypte, le bois c'était un peu compliqué. Quoi déjà, c'est pas SSC. Y'a pas d'hyène. Et on a là-bas. Allez, débarque. Mais y'en a pas d'autres, c'est assez étonnant. Je pensais qu'il y en aurait plus par là. Chute. Ah, mais il y a des hyènes là en bas. Oui, il les voyait pas. Bon, impeccable. Stocker a pris de peau. Les autres. Il y a 18 quand même. Alors, c'est tout bon, deuxième mesdames et messieurs. Ah, du coup, on est obligé de re-TP. Ouais, tiens, ici, je pense que ce sera plus rapide.
Bon, elles étaient pas super intéressantes ces quêtes, hein, clairement, on va pas se mentir. Celles-là, elles étaient moins intéressantes que ce qu'on a l'habitude d'avoir. Ah, c'était le scarabée au fait tout à l'heure. Adieu, adieu fidèle destrier. Je pensais pas qu'il y avait un cheval, un trou. Du coup, on doit attendre avant de rappeler notre monture. Est-ce que si de faire ça, on se déplace plus vite? Ah, il cancel. Pourquoi tu cancel, mec? Ah ouais, quand il n'y a pas de cible, en fait, il cancel. Ils ont peut-être fixé ça. Bon, je suis plus en faille, de toute façon. Ah, l'écornu s'est ressuscité! Elle a ressuscité, oui! Mais et pourquoi? C'est quoi ces petits bandits qui se baladent là? Allez hop! C'est cadeau! Alors, qu'est-ce que tu m'as ramené? Tout ce dont tu as besoin. Tout ce que tu as demandé. Ah oui, bien, bien. Et en très bon état. Ça fera l'affaire. Bah, heureusement que ça fera l'affaire. Allez, 5000. 5000 d'or. 1000 XP, combien de thunes? 110! Oh putain, quelle arnaque! Bon! Oula! Petit rototo qui est sorti au passage. On va se laisser là pour aujourd'hui. C'était surtout pour vous montrer le boss des crocodiles. Il nous reste quand même des quêtes à faire. Il nous reste l'arène à finir. Mon frère pour un cheval. Bon, on échange son frère pour un cheval, not bad. On a deux quêtes 38 là qui peuvent être intéressants dans les petits lieux non explorés. Pas mal de lieux non explorés à vrai dire. Là aussi. Là aussi. Ah oui, c'est un cercle de pierre, ça faisait une couleur bizarre. Là aussi, il y a deux petits lieux. Une petite quête combien? 30, ouais, 30 pas très très élevé. Là, on a une quête combien? 29, ouais, c'est Sobek. Ah, on a des petites îles à faire aussi, on se baladera en mer, tiens. On ira se prendre des petites vacances à la mer. Là, c'est une quête combien? 40! Des rebêtes en situation délicate, un level 40. Oh, c'est pas dégueulasse, ça. Bah écoutez, à voir la prochaine fois. Sur ce, rendez-vous... What? Pourquoi l'épreuve de Sobek, il me l'a mis? Il me la met ici. What? En fait, je crois que c'est l'indicateur qui déconne. Attendez, je vais aller voir parce que... Wait, c'était pas du tout ici qu'on a fait la première. Peut-être qu'elle se repositionne, peut-être qu'il faut la faire plusieurs fois. Attendez, on va checker, il nous reste un petit peu de temps. Enfin, on décide de la durée des épisodes qu'on veut, mais... Je suis assez surpris. Ouais, il me l'indique par là. Où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle serait dans la pyramide? Quel est le fût? Parce que Sobek, on l'a fait l'épreuve justement. Mais là, il la repositionne n'importe où. Bon, si c'est la même, on la fait pas. Mais si c'est une différente. Ouais, elle est bien au fond de la pyramide et ce tombeau sera notre tombeau. C'est quoi? C'est Khéops ça? Non, Khéops elle est là, la pyramide je crois. Ça c'est elle est plus petite celle-là. C'est Khéfrey ou je sais plus trop qui là. Étonnant qu'elle soit positionnée là, mais je crois que c'est Sobek hein, c'est la même du coup logiquement. Je voudrais dire, alors, elle est vraiment en profondeur. Ah, il me l'indique là en fait. Il me l'indique pas dans ce tombeau, hein. Mykerinos, hein. On va aller chez Mykerinos. On va aller voir ce bordel. Je crois que c'est un bug d'affichage, y'a rien en dessous là.
ville là en dessous. La grande question c'est... Ouais, c'est forcément Kefren et ça doit être au bout de la grande truc en dessous. Mais non, mais c'était dans le tombeau de Khéops qu'il y avait la... Damn. Y'a pas d'image. J'ai l'impression que c'est complètement buggé. J'ai quand même envie d'aller à Mickey parce que c'est le plus proche, Mickey. Bah écoutez les mecs, soit je trouve un truc et je vous le montre, sinon bah fin de l'épisode, ça veut dire que j'aurais rien retrouvé, rien trouvé. Allez, je vous dis peut-être à la prochaine, peut-être pas, c'est le mystère.